Salut à tous et à toutes, les autres gamers et M5. Bonjour. Le 14e épisode de notre run sur Super Mario 64. 64 comme notre nombre d'étoiles d'ailleurs sur un jeu. C'est merveilleux. On n'y avait pas pensé, on avait pensé 64 comme les... Le numéro de département de Pyrénées Atlantiques, je crois. Donc voilà, comme un stack dans Minecraft. On n'avait pas pensé au nom du jeu, bon bah voilà, ouais. C'est génial. On a fait exprès en fait de prendre des étoiles de retard, puis d'en remettre pour terminer à 64 étoiles. Voilà, c'est merveilleux. Donc on va commencer un monde, c'est celui-là. Qu'on vous avait évoqué dans l'épisode 2. Mais c'est un monde qui a une particularité quand même. C'est que selon l'endroit où on rentre dans le tableau, plus on rentre haut, plus le monde sera inondé. Plus on rentre bas, plus il sera bas. En fait, moi je vais rentrer bas parce que j'ai utilisé un raccourci pour récupérer l'étoile rapide, la première étoile rapide. Bon. En espérant qu'il soit tout en bas. Il y a 3 niveaux d'eau, c'est ça? 4 je crois, 4 ou 5. 3 ou 4, oui. 4 au moins. Il est pas tout en bas, malheureusement. Donc on va aller chercher le tout en bas. J'ai fail mon début. Tu vois, ça commence bien. Ouais. On peut évidemment modifier l'eau à partir du niveau, mais le fait de... Voilà. Mais le fait de rentrer dedans permet de d'assigner un niveau d'eau particulier dès le début. Histoire de ne pas perdre de temps. Je ne le savais pas. Voilà. Alors, le raccourci, je vais vous montrer, il est là. Il suffit de s'arrêter là et s'arrêter. Il suffit de s'arrêter là et de s'arrêter. Bien, merci M5. C'est pas grave. Et en fait, on se retrouve en haut. Et on a qu'à faire un saut de... Et en fait l'étoile qu'on veut récupérer est juste en dessous. Aïe. Et pour la récupérer, il fallait en fait se balader sur les petites plateformes là. Mais moi comme je suis un flemmard, je préfère utiliser des raccourcis. Voilà, c'est toujours. Je lance le chrono. Voilà, tu ne l'as pas fait. Hop, t'as vu, j'étais censé brûler, mais grâce. Par une boule de feu. Et voilà, mais grâce à l'étoile, je suis invincible et personne ne peut me toucher. C'est vrai ça, normalement, quand on prenait pas, on est invincible. C'est. Comme dans les Mario Kart, comme. Comme dans tous les Mario. Sauf on peut tomber dans un trou. Oui. D'ailleurs, souvent l'étoile a tendance à te faire tomber dans un trou. Tu veux être haut ou bas? Ah, je sais pas du tout c'est quoi après. Je crois que... De toute façon, c'est généralement toujours mieux d'être bas. C'est vrai. Parce qu'on a plus de liberté dans le niveau, en termes de déplacement. C'est sur les toits. Bon, c'était une très mauvaise idée. Mais bon, on va pouvoir se balader un peu. Tiens, t'as même réussi à aller le plus bas possible. Ouais. Alors, moi j'aime bien monter là-haut, mais on peut pas dans le jeu. Enfin, on disait ça de la pyramide, et pourquoi on pouvait... Enfin, la pyramide. Oui, dans la pyramide, il y avait un truc, on disait, tu peux pas monter. Tiens, c'est quoi son machin à gauche? Quel machin? Ce truc-là? Ah oui. Ah si, je le connais, C'est un... Je sais. Non, mais j'explique pour nos abonnés. C'est un bestio qui, si on marche sur sa petite plateforme, il nous fait... Pouh! Ah oui, un truc comme ça, je pense que ça marche. Non, mais... Non, mais là t'as fait. Il a fait. C'est mal. Oui, non, en fait, non. Alors, le meilleur moyen, il est le véritable moyen pour monter est un peu plus lourd. On va le prendre. Allez voir. Il faut commencer par actionner. Ou pas, non, même pas besoin. Bon, ouais, c'est pas grave. Il fallait en fait monter là. Un peu galère. C'est... Fais gaffe à la petite boule. De toute façon, là, elle peut pas me toucher. Actionner ici. Pouvoir. Ce qui fait monter l'eau à un niveau respectable, mais pas maximal. Pouvoir monter là en fait, mais là on peut pas vraiment donc c'est là. Faire le tour. Mais on peut gaffe, prendre par là, donc c'est encore plus rapide. J'allais dire, je crois qu'il y a un ennemi qui pop là-bas. Non, les ennemis ne pop pas dans Mario. Bon, enfin, dans ces genres de niveaux, non. Non. Par exemple, le bonhomme de neige pop. Enfin, on peut dire qu'il pop. Oui, mais il ne repop pas. Enfin, voilà, non, il repop pas. Ah. Non, c'est vrai qu'à part les bonhommes, il y a un peu que les bonhommes de neige qui peuvent. Mais... What the fuck ? Il aurait trop dû s'accrocher là, c'est bon ça. Bref, donc, tu fails la plupart de tes raccourcis, mais c'est pas grave. J'allais dire, j'allais vraiment dire, tu fais pas souvent de sauts muraux, parce que c'est pas vraiment la peine. Mais... Non, mais j'en fais quand j'en ai besoin, par contre, j'aimerais bien que la caméra se centre. Ce centrifuge. Non mais la mets devant, mais là devant. Non, ça marche pas. Regarde. Stop. Non. Mais je disais, vois le visage de Mario. Avec non mais ça. Avance plus. Chier. Voilà. Ah. Quitte, ne tombe pas, ne tombe pas. C'est bon. Alors, aucune idée de où elle est.
sur les toits. Ce serait où ça? Bah là, t'as. Oui, je pense que ça doit être là. Effectivement. Ah, j'ai, au début, pendant un moment, j'ai cru que t'étais ironique et que j'avais pas... Non, non, je me disais... Je pas tape dans... Pourquoi tu... Enfin, moi, de toute façon, je tape tout le temps les interrupteurs. Non, des fois, il y a des pièges, du... Ah bon, c'est chiant, les attendre. Ouais. Oui, bah, t'es pas obligé de les attendre. J'ai rarement des pièges. Ensuite, bon, bah, comme toujours, on va faire en bas. Ouais, donc, en fait, non, je pensais qu'elle serait visible, l'étoile bleue. Énigme des chiffres cachés. Ah, donc, j'ai bien... J'arrête tes bêtises. Il joue avec un briquet. Et je mets le feu à Internet en papier. Ça prend vite feu. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Alors, il va falloir trouver des chiffres cachés. Le premier, je crois qu'il se trouve dans un des... Dans un des blocs. Ou pas. Et non, absolument pas, en fait. Donc, je sais qu'il y en a un tout là-bas. Je vais aller le chercher. Ah, merci, petit lag. Non, c'est pas un lag. Oui, un brick. Qui, en fait... Non, il n'a pas marché, donc je vais y aller en mode normal. Hop, voilà, j'en ai déjà eu un. Et je crois qu'il y en a un aussi quand on tape le bloc là-haut. Du coup, je pense pas, mais bon. Non, du coup, je pense. Ah, effectivement. Tu oses douter de moi. Bon, oui. Tu mérites un chat qui ment. Hop, voilà. Là, il est en putain de... Faire gaffe, Anne, parce que... Je... Ça doit faire France. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas... Oui, ça va. Tu peux y redescendre. Ah, d'ailleurs, il va... Parce que là, il va être trop simple. Come on. Donc voilà, c'est... Thank you. Ça aide. Mais par contre, il ne laisse même pas le temps que... Mais c'est pas grave. Ouais, mais enfin... Ça fait juste mal. Mais en plus je crois qu'il faut aller là-haut. Oui, mais c'est pas grave, ça t'as déjà réussi à aller là-haut. Non, je l'avais pas fait comme ça. Ah oui, c'est vrai, t'étais monté par là. Arrête avec ce briquet. Toi t'as commencé. Tu peux moi. Hier. Genre hier, évidemment, c'est... Come on. Allez. Come on. Non. Oui, vas-y, prends-le alors. Thank you. Non, 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 dégage, dégage. C'est bon, il va pas te choper. Ah. Boost, hors de match. Je crois que le bloc lui ne fait rien, mais pas le gros bloc, mais non, que dalle. D'accord. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3. Je sais qu'il y en a un là-haut. Ah non. Ok, je me souviens. Je peux pousser jusqu'au bout. Ou pas. D'accord. Tu peux le prendre pour le tirer ou pas? Non. D'accord, c'est bien ce que je pense. On n'est pas dans Zelda. Oui, oui, j'ai... Je pensais... Oui. Tiens, il y a une étoile de sang. Oui, on la verra plus tard. Oui, bah, je l'ai... Ah, ça, c'est peut-être... Voilà. Le 4. Le 5... Il y en a que 5, non, oui, c'est ça. Bon, bah, là, je crois qu'il est là-bas... Ouais, oui, je le verrai bien. Non. Allez, je sais. Ah, c'est quoi le bloc qu'on a vu, là? Jaune. Droit. Ah bah c'est celui-là. Ah, voilà. Ou pas. Bah ah, ça c'est... Aïe. Ouf. Aïe. Ok, d'accord, d'accord. Essaye de pas mourir. Non, t'inquiète pas. C'est où aller? Ce ne serait pas très très gentil. Hein. Je me dis que tu vas fonctionner. Là. Chaud. Un pièce. Oh, il est bleu. Oui, c'est ce que je disais, prendre une case bleue. Oh. Bon, je n'en profiterai pas pour faire les 100 pièces, vous pouvez déjà crever. Mais ces 100 pièces sont pas très très dures du coup. Non. Parce que les pièces bleues sont effectivement assez récupérées. À choper. Oui. Et j'ai la M. Ouais, on va dire ça. On va dire ça, bien sûr qu'on va le dire. On va le lire, mais on va pas le penser. Oh merde. Vous avez vu comme j'ai gentillé avec le petit Empire. Alors petit, je ne dis pas, hein. Tu fais quasiment une tête de moins que moi. Pourquoi elle ne veut pas? Parce que c'est pas celui-là. Parce que... Ah oui, c'est resté l'autre. Mais j'hésitais en fait entre celui-là et l'autre, donc voilà. On va en profiter pour faire les deux, parce qu'on peut faire. Hop. Allons-y. Hop. Yop. 1, 2, 3. Et fail. Oh putain. Et... Là, c'était du fail. C'était... C'était assez... Oh putain. Oh non. Salaud. Tu pouvais pas faire de rodeo.
Bah non, mais je peux pas trop vite. Hop, come on. Come on, bitch. Hop. Il se remonte, hein. Voilà. Merde, lui aussi, il se remonte. Ouais, tiens, bon, va dessus vite. Ah, mais je voudrais la vie, moi. Ah oui, mais... Ah oui. Mais je sais, je connais une technique. Je sais, tu l'as déjà dit, là. Je pense dans l'autre, tu vas m'en rien. Tu l'as déjà donné ta technique. Mais elle est trop bien cette technique. Je l'ai découverte tout seul. En même temps, c'est pas le genre de truc difficile à découvrir. Tu l'as fini combien de fois déjà? Le jeu? Genre 2 ou 3 fois? 4. Bon, cette fois-ci vite de fait. Voilà. Donc... Oh putain. Ma gueule lui. Bon voilà. Quoi? Chercher des difficultés quoi. Ah, voilà. Il va falloir retourner de l'autre côté. Et donc que dit le panneau? Non. On fera rien à foutre du panneau. Moi j'aime bien tout voir dans un jeu. Jo dommage. Oh Jo dommage. Jo dommage. Non mais bon, c'est pas grave. Et on a atteint les 2 minutes de vidéo. Les 2 minutes 10. Oh putain, oui d'accord, je me disais 2. Oui bien sûr, 2 minutes. Rennes 59. Chier. Ah non, c'est vrai que tu t'as vu. Oui, donc comme vous l'avez vu, les 100 pièces seront très faciles à avoir. Mais on vous l'a déjà dit aussi, on ne fera pas les 100 pièces ouais. Avec vous. Ou peut-être avec un triple, quelqu'un histoire de le chercher. On vous les montrera. Ascenseur express. En accéléré sûrement. Oui, parce que si vous ne savez pas, c'est que ce monde n'est pas tout seul. Enfin, vous n'avez vu qu'une partie de ce monde. Par contre, là, c'est un truc qui va être galère. Ben déjà, il y a besoin de buter ça. Oui. Mais... Là, il est sommeureux, maintenant. Ah non, faut en fait, il faut remonter. Ah oui, c'est ça que... Mais, faudrait pas... Le mieux, ce serait de garder l'eau au plus bas. D'accord. Ça va être galère. On va voir. On va essayer. Tu l'as fait tout à l'heure. Rodéo... Ah comment? Non, on peut pas faire de rodéo. Si on pouvait, je le ferais. Et toi, devant nous, là. C'est good. T'as besoin de lui, tiens? Oui, j'ai besoin de lui. Parce que non, ah, je l'attire un petit peu. Oui, du coup, il a sauté, chargé. Mmh. Ok. On va redescendre. Vite. Ok, bien. C'est ce que je veux faire. Oui. C'est 5 que je veux aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Cache-toi! Saute. Tu vois? Ah, ah c'était beau ça. What the fuck? Ouf, heureusement parce qu'il m'aurait pas mis au bon endroit. Et mets-toi devant... Oh. Non, je vais l'attirer derrière encore. Là, il y a... Oh putain bon. D'accord. Je crois qu'en fait, je pense qu'on peut... On avoir le... Ouais, à se faire chier. Ça, parce que franchement, là... Mais sur DS, avec deux triples sauts, tu montais, quoi. Ah oui, mais sur DS, c'est la tarane. C'est quoi la tarane? Je dis ça, mais en même temps, j'ai joué aussi à la version DS. Je vais... En fait, non, on peut totalement avoir le niveau de l'eau. Où est-ce que je vais? Oui, je sais pas, c'est là. Ici. Bon. Et maintenant, tu vas... C'est ça? Non. Tu vas nager, Non. Pas besoin. C'est... Oh, je peux du Mario Force. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. On va reprendre un des passages qu'on a vu. Qui est les interrupteurs? Qui est les interrupteurs? Les blocs. Qui est l'interrupteur ou qui sont les blocs? Qui sont les blocs activés par l'interrupteur? Espèce d'analphabète. Boum. Voilà. Et ensuite, le principe c'est...
ça. On se laisse tomber. On essaie en fait de passer le chou et de revenir dessus en fait. Et fail. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux avoir l'eau. Oui. L'eau pas très haute. Moins haut possible. On va essayer. Il garantit pas de réussir une deuxième fois. C'est bien. C'est bien que la première, j'espère réussir un peu mieux que la première. J'espère qu'il va réussir tout court, hein. Petit merde. Vous avez entendu, il m'insulte. Ouais, je suis méchant. Prendez-le. Il va pleurer, moi. Ouais. Je t'emmerde, tu es con. Tu peux pas activer la partie droite. Non, ça sert à rien la partie droite. Par contre, ce con est évidemment très mal cadré. Il aurait dû s'accrocher là. Putain, il est con ce Mario. On se venait, mais alors pas du tout ces étoiles. Mais vraiment pas du tout. Peut-être que tu la récupères peut-être pas comme ça. Il y a un autre moyen. Moi je me souviens que depuis longtemps je la récupérais avec un autre moyen. Tu faisais monter le au max et tu imagines. Non. Enfin, non. Bah non, je pas. C'était quoi vas-y. C'était je mettais un Luigi, je prenais une fleur pour devenir invisible et puis je ça doit être ça. Je grimpais les blocs et j'allais récupérer les trois. Effectivement, je... Parce que je ne sais pas du tout du seul moment. Allez. Essayez. Casse, tire-toi, tire-toi, va. Là-dedans. Parce que dalle du tout. Ça, trop pas droit. Putain. Trop pas droit. Bon, on va faire une avance rapide jusqu'à ce que j'arrive dessus parce que là ça m'énerve. Voilà, enfin, finalement fini par réussir au bout de deux essais infructueux dont le deuxième était juste merveilleux. Je l'ai vu. Et voilà. Récupérer cette étoile, on ne peut plus chiante. Ce qui en théorie nous fait 17 minutes d'épisode, mais en fait nous fera moins. D'accord. Le plus haut possible. D'accord. C'est le seul. Comment dire Ou alors je suis pas bon. Donc ce film. A réussi le pire les pires recettes de toute l'histoire aussi. 11$, une entrée, t'as une personne qui allait le voir, il était projeté dans une salle je sais plus trop où. Ah celle-là. Enfin dans une ville américaine et devenu culte je pense. Dommage. Bah non ça fait pas longtemps qu'il est sorti, genre ce mois-ci, c'était la semaine dernière. Ouais, d'accord, la semaine dernière, tu peux pas quitter là, c'est impossible. Non, c'est le vrai. Tableau peut pas être terrible. Non, attends. Donc vas-y, parle-en. Et il a effectivement... Bon, en plus, j'ai vu le trailer. Le réalisateur dit c'est le pire film de tous les temps, mais c'est le meilleur... Alors, je suis pas sûr que j'ai réussi à tout vous dire, mais genre... Psychodrama SF musical horreur film. Le truc... En plus, tu regardes le trailer, c'est genre... Il y a une cougar, au sens, bah normalement cougar c'est les femmes à partir de genre 40-50 ans qui veulent se faire des petits jeunes. Sauf que là c'est une gamine de 14 ans, avec son mec de 10 ans, enfin elle est enceinte, il y a un robot, tu comprends pas ce qu'il fout là. Les effets spéciaux, franchement, je vais sur un forum de gens qui savent se servir de After Effects et j'ai mieux. C'est ravi. Je pense que le mec a dû bien s'amuser dans ce truc-là. Clair. Il a réussi à faire donc 11$ de recette. Ce qui est... En plus, 11$ pour une glace, franchement, c'est cher. Bon. Ah. Ça devrait être pas mal, genre. Je pense. Est-ce que c'est aussi haut que je le voulais? Voyons voir. Effectivement. Ah. Ça m'a l'air aussi haut que tout à l'heure. Non, c'est plus haut. Regarde. On prend un truc. Ouais. Tu vois pas. Bien joué.
Après, je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Oui. Moi, je me souviens, je me servais d'une casquette invisibilité, tout ça. Oui. Sur DS. Mais là, je n'en ai pas trouvé. Enfin, non, je me servais d'un truc ballon pour être gros. Ah oui, oui, c'est ça. Et j'allais par-dessus. Je me souviens. Effectivement, c'était ça. Donc, nous actionnons la deuxième partie de ce beau et grand niveau. Oui, j'allais dire, j'espère qu'il fallait pas être SNS. C'est bon. Tac. Il suffit de passer à Indiana Jones. Indiana Jones. Il faut récupérer les pièces. Et donc, c'est une ville souterraine. Une petite ville. Sous-marine. Petit clin d'œil au passage à nos chers amis sur notre forum Minecraft qui ont construit une ville sous la mer. Oui, donc là on a la Non, ça ce sera pour plus tard. La casquette dans le monde. Parce qu'il y aurait une autre. J'aime bien comme il est dans les plantes. Comme il s'enfonce dans la petite lag, c'est Fraps qui va créer un nouveau fichier, je pense. C'est sûrement ça. Olé. Ah, on attend la caméra. On pète. Et voilà. Et on fait un saut. D'accord, tu veux pas? Ah, je savais pas qu'on pouvait. Par dessous. Ah, comme dans tous les marées, tu frappes un peu par dessous et il explose. C'est quand même le crop de Mario, tu peux monter sur la tête? Y'a rien. Si ils respectent, si ils ont gardé le même placement sur DS, normalement il n'y a rien. Mais on peut monter sur la terre si je veux. Par contre là. Ah non. C'est monté là déjà. Le bloc. Ouais, il y a deux blocs là. Tu vois sur DS, il s'accroche pour ne pas tomber. Et là il est là pour vous faire chier le Mario là. Hein, petit con. D'accord. Y'a pas la place. Il y avait parfaitement la place. Devant le bloc, je pense que non. Le bloc est pile à l'extrémité. Pourquoi tu veux pas sauter sur cette carniche? Et sur l'autre, tu es obligé de faire un virage avec la caméra hasardeuse. Voilà. Voilà. C'est 6, 6. Bon, le bloc, le bloc là-haut et ce bloc là. Ouais. Voilà. Et le bloc là-haut. Oui, je pense que c'est le meilleur moyen d'y aller. Merde, je vois... Vous voyez une étoile là-bas, en fait. Fail. Oui. Ouais, mais c'est super galère. Je vois pas. Ah bah, on va utiliser... Le niveau de l'eau, peut-être. Non. Ouais. Ta merveilleuse cornie... perche. Tu vois. Ouais, enfin, moi, je me servais pas de ça. Non, tu es avec Luigi, je faisais des supérieurs arrière, c'est bizarre. Oui, parce qu'il faut savoir que sur la version DS, pour ceux qui ne savent pas, déjà on commence avec Yoshi. Yoshi! On peut pas s'accrocher à la version. Sur saute pour la version. Ah, tu vois. On commence avec Yoshi, qui se réveille dans le parc du château, et il n'y a personne. Elle l'appelle au bonheur. Pas, parce qu'il est en train de s'y réveiller, en train de l'étiquette. Oh, on va refaire une petite avance rapide le temps où je remonte là-haut. Oui, donc en fait, fin de l'avance rapide. Oui, voilà, fin de l'avance rapide. Désolé, j'ai récupéré la pièce. Vous savez jamais, au cas où, si ça avait pas été ça, on aurait été bien bébé. Oh les jeux. Donc, l'étoile est dans le clocher. Et voilà. Et voilà. Ah oui. Ah oui. Ce qui nous fait un épisode d'une vingtaine de minutes, donc nous ne récupérerons pas une étoile de plus. Car on a une étoile de retard, en quelque sorte. Ou alors... Pas dans cet épisode. Ou alors, elle est rapide. Parce que c'est au même endroit, tu fais claque, pour okay. D'accord, vas-y. Pas monter trop fort, non, je pense que ça marche. Je pense. Il me semble, je me souviens bien que c'était... Bon, on va faire des courses en ville. Oui, tu vois, c'est bon. On va faire une course en ville, donc on va aller acheter des carottes et des navets. Ha 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 ha. Poireau. Un rouge, s'il vous plaît. Un poireau dans le cabas.
Et oui, donc tu disais, on retourne dans les villes. Et donc selon toi, elle est rapide. Oui, elle est rapide. Vous allez voir. Sauf si je fais comme une vraie merde. Ce qui est probable. Mais non, j'ai rien dit. Je t'emmerde, petit con. Je me demande si on n'est pas un chouïa loin du micro. Non, c'est bon, t'as augmenté la sensibilité. Ah oui, j'ai mis la sensibilité au max, la sensibilité qui devait être à 30 et passe à 70. Donc elle a plus que doublé. Non, en plus elle est passée à 100. Ouais, ça veut dire qu'elle a plus que triplé. Ouais, vraiment. Mais comment elle est 100. Je suis en terminale, mon coco. Non, tu comprends. Si, je suis en terminale. En tout cas, toi, t'es loin. Ouais. Ok. Comment? Alors moi je me souviens, j'avais découvert, enfin je sais pas si c'est toujours le cas, hop, on peut passer à travers ça. Ce qui simplifie grandement la tâche. J'imagine. À partir de là, par contre, on va être plus gay. Ahem. On va faire des sommets sur le piège, je suppose. Bah oui, mais faut attendre. Oui, je sais, mais attends. Putain, caméra de merde. Mais tu peux, hein. Non, pas regarde. Putain, mais cette caméra me sodomise les couilles. Te sodocule les couilles. J'aime bien les mots du genre sodocule, testicule. Ouais. C'est... La caméra est super chiante. Bon, à mon avis, il fallait pas baisser les mots quand même pas. Non, il fallait. Tu veux que je te dise ce qu'il faut faire à mon avis? Tu m'entends? Non, à mon avis, tu m'entends. C'est vachement. Moi, je vais t'expliquer, parce que moi, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Tu m'entends, s'il te plaît. Merci. Tu vas me faire ok. On va tester mon moyen, d'accord. Ok, donc à cause de toi... Alors déjà, je vais regarder un petit peu. Et éventuellement, si tu arrives, ok. Non. Tu arrives pas. Ah non, mais je vais... Ah, attends, mais je sais comment ce qu'on va faire. Triple saut, pardon. Voilà. T'as tout compris. Mon cher ami. Amène ton petit joueur. Ok. Ça se verra. La caméra est vraiment foireuse sur ce jeu. C'est peut-être le seul défaut. C'est un gros... Ah oui, du coup, mais c'est un gros défaut, c'est sûr. Alors remarque, c'est un des premiers jeux en 3D. Oui, oui. Eh non. Parce que le truc officiel, on n'est pas simple. Si, j'en fous, je vais le faire comme ça. Non, j'aimerais bien juste que la caméra se mette trop. Là, voilà. Celui-là, tu le rates. On est d'accord que 1, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va faire ma pique-nique maintenant. Ok, bon, avance rapide pour monter. Finalement, on a fini l'ellipse parce que Trou m'a raconté que de la merde. Si finalement, fallait faire de... Il fallait en vérité faire des rebonds avec le... Avec le mur. Donc, voilà. C'est donc ce qu'on va faire. On va attendre la casquette son aille. Oui, il faut faire tac, ça, tac, ça. Tac. Voilà. Merci la caméra. Bon, allez, jump. Ok, ça marche pas. Sur test, ça marche pas. Ouais. Voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de remonter le niveau de l'eau, des trucs comme ça. Oui. Eh, oui. Pourquoi on se marie? Ah, voilà. Putain, elles étaient longues. Donc, on a... Rattraper notre petit retard. Rattraper notre retard de cette étoile. Ouais, on a fini le 11e monde. Le 12e monde, il est là-haut. Oui, il est là. Ah non, il est là. Oui, c'est bon. Oui. Il est là, il y a le 11. Vous avez récupéré 70 étoiles de puissance. Désormais, vous pouvez accéder au haut de l'escalier sans fin. Terrible loser d'un. Êtes-vous prêt à l'affronter? Non. En fait, on pourrait finir le jeu. Mais ouais. On va pas le faire. Mais c'est merde. Mais on... effectivement, on va éviter. Oui, d'accord, effectivement. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, donc on ira là, la prochaine fois. Alors que ça, c'est le... C'est déjà un tableau qu'on a déjà fait. Voilà, donc c'est n'importe quoi. C'est histoire de dire, bon, on va combler ce mur avec un tableau qu'on a déjà fait. Voilà.
Donc on va se laisser. On vous dira à la prochaine. Trou s'amuse. Voilà, cette fois c'est Trou qui s'amuse à sauter partout. C'est pas moi. Voilà, je faire des sons en longueur à rien. Voilà, donc je vais m'occuper du speech final parce que monsieur n'a pas l'air de vouloir le faire. Non, je sais pas comme si je l'avais fait. Donc n'hésitez pas à aimer, à poster un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours sympa, même si vous pensez que c'est de la merde, dites-le, hein. Qu'on le sache. Expliquez pourquoi quand même. Ouais, qu'on le sache. Histoire qu'on en fasse pas d'autres merdes la prochaine fois. Putain. C'est vrai que c'est chiant. Hein. Il me croyait pas quand je disais c'est chiant quand tu vois ton... Tu vois, Mario bouger, alors c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui est chiant, le truc chiant c'est que t'arrêtes pas de fail de comme une merde. Ça, je me fous, ça. Bon bah voilà, et putain c'est quoi ça. Moi t'as du sel par terre. Voilà, 7 ans de malheur, je vais tomber du sel. Et allez, salut à tous. Ciao.